bien le bonsoir dans un nouvel épisode de Darkest Dungeon. Et nous revoici pour l'épisode 2 de ces petites vidéos Let's Play délire, on s'en fout. Donc j'ai renommé un petit peu les personnages à ma convenance. Donc Patato hein, qui regarde souvent les vidéos, Exodus aussi qui commente aussi beaucoup, Cricri, Mireille, Lone et Billy. Le Billy, hein, Billy il est obligatoirement là dans les épisodes, c'est obligé. Et donc, nous sommes repartis pour se préparer pour une nouvelle aventure. Et cette fois, qui on va prendre? Ah ben, on va continuer à prendre Cricri. Hein. Cricri, il est bon. Cricri, il est bon en chevalier. Je pense qu'on va faire deux missions pour cet épisode. Ah, Billy, j'aimerais bien m'entraîner un petit peu avec Billy. Du coup, hop, on va le choper. Mireille. Mireille, tu peux soigner en étant en arrière, très bien. Hop, Mireille, tu vas venir. Et on va prendre Lone. Lone. Et je me dis, on a 8000. 8000, est-ce que ça vaudrait pas le coup de d'enlever du stress à Potato? À Patato. Patato, allez, va prier Patato. Voilà. Voilà, fais un petit, une petite prière. Et donc, on se prépare à mourir. Ouais, c'est un peu ça, un petit peu le... Il faut mourir. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire comme mission, récompense, blablabla. Un truc qui donne plein de blasons. Oh, brassard de soins, plus 30% de soins. Ah, pour les lépreux uniquement, on n'a pas de lépreux encore. Ça c'est quoi? Couronne solaire, moins 15% de tresse, la torche à plus de 75%, on s'en fout. Ah, un livre de constitution. Moins 2 de vitesse. Ah, mince. Bon, écoute, c'est bien, ça. Au pire, on le vendra, au pire. Sinon, à partir des... En rapport des, de l'or, on va... Oh, ok, on va prendre ça. Bon, on va prendre cette mission, hop. Et donc... Oula, bois brûlé et camp. Voilà, c'était ça que je vous disais dans l'épisode précédent. On a des camps. Et donc les camps, on peut les activer quand on veut. Ça fait un petit feu de camp, une petite pause, petit entracte pour le groupe. Le temps qu'il bouffe, qu'il se repose. On va prendre 12 de bouffe. On va prendre 2 bandages. Une clé. Combien de torches? 16 torches. J'ai pas peur de dépenser, vous voyez. 16 torches et on est bien. Par contre, l'eau bénite, on peut la vendre. Cet objet est requis pour une quête. Oh, ok, si elle est requis. Et ça augmente fortement la vigueur du molosse sur une courte période. Pourquoi pas? Et donc, on se prépare à rentrer, à pénétrer dans les ruines sombres, poussiéreuses, squelettiques et maléfique du donjon le plus sombre. Et donc on part tout de suite. Donc on est alors, attends, fais voir un peu la carte. Alors, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Explore 90% des pièces. Il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 du coup, 12, 13, je pense que ça ira. Parce que si on fait un petit chemin. Attends. Tech. Tech. Oui, on peut faire ça. Ça peut être cool. En tout cas, ça m'a l'air assez linéaire comme niveau. Et on commence tout de suite dans la cave à Jackie. Et on traverse les ruines. Oh là, attention, le piège direct. Load. Ah, désarme-le. Bien. Là, ça fait plaisir. Attention, une petite découverte. Ouh, la caisse contient des legs cachés. Des blasons, 4 blasons. Ça, c'est bon. Et attention, première salle. Qu'est-ce qui nous attend en première salle? Rien du tout. Excellent. Et du coup, on repart, on continue, tout va bien. Puff, puff, puff. Oh, un petit sac. Ouh là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que l'éclat d'une pièce que je vois? Mon instinct de vol. Mais qu'est-ce que tu voles? Mais est-ce qu'il est kleptomane, lui? Plutôt man, besoin impérieux d'accomplir certaines actions. Oh, il est compulsif, dis donc. C'est pas très bien. Moi je suis pas pour. Hein. Donc, la torche baisse un petit peu, mais pour l'instant, on est bon. Hein. On n'a pas à s'affoler. Il se passe pas grand chose, dis donc, dans ce donjon, c'est vide.
Pouf, 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 on va claquer deux torches comme ça pour être bien. Ouh, une dame de fer. Hein. Cri cri, va voir avec le. L'objet n'a aucun effet. Bon, écoute, va voir dedans, mets ta tête dedans. Ne révélant rien du tout. D'accord, bon, c'est pas grave, écoute, ça arrive. Hein. Cri cri, non, ne stresse pas, cri cri. Il ne faut pas stresser. Tu vas pouvoir taper sur les gens, mais il est vide ce donjon, mais qu'est-ce qui se passe? Ils sont tous partis en vacances. C'est les RTT, qu'est-ce qui se passe? Il est temps de bouger, ben oui. Là, il y a une petite torche quand même. Oh, la torche. Hop, on la claque direct. 50 euros, tout va bien. Qu'est-ce qui nous attend? Il n'y a rien dans le couloir. Fin. Hop, on mange un petit peu, ça fait plaisir. Le petit Happy Meal entre deux salles. Hop, on continue. Et là, normalement, il y a des gens. Ah, il y a des gens! Une agression! Eh bien, on va tout de suite commencer. Tire au pistolet dans ta face! Ah, mais même pas un headshot, quoi, le mec. Et, ouh, l'esquive! L'esquive de cet homme, l'esquive de Lone! Ah là là, la deuxième ne passe pas. Elle se la prend en pleine poire. Mais c'est pas grave, car on va défoncer. Vas-y, cri-cri, défonce-le! Excellent, attends, oula, alors il y a plein de choses lui. Saignement, donc je pense pas que les. Non, les squelettes ne saignent pas, c'est un bon truc. Hurler au loup, soin de stress. Assaut canin. Oh là là, le chien a défoncé la moelle osseuse de cet homme. Et on va faire un petit jugement quand même. Un jugement sur lui. Ah, que Dieu te regarde! Et donc le poids mort, oh là là. Mais non, mais faites un régime, monsieur. Vous êtes un peu, vous prenez de la place quand même. Hein. Et du coup, un petit assaut au canin encore gratuit comme ça. Hop, sur le dernier, 7 PV, ça régale quand même. Hein. Un petit jugement encore. Pouf, 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 pouf. Ouh, peut-être un soin quand même sur l'aune. Ah là, 4 PV sur 5, c'est pas mal. Hein. On est plutôt heureux. Encore un poids mort. Oh là, les mecs, il bourre le bouclier. Mais c'est pas grave, parce que bon, il... Non, il va pas mourir en plus. Bon, bah c'est pas grave. Hop, les 8 PV qui font plaisir quand même. Hein. On se le dit. Et... Oh non! Oh mais non, mais... Genre, la balle qu'il fallait pour qu'il le tue, quoi. Mais non. Mais non, mais oui, bah ça se passe pas comme ça. Et il me fait 4 PV. Mais vous êtes que des pédérastes, de toute façon... Est-ce que j'ai pas un... Non, j'ai pas un tir de mitraille, c'est pas grave. Oh là là, dans le buffet, il ne s'en relève pas. Un petit assaut canin. Puff, puff, puff. Où que je pourrais faire ça. Oh, allez, sur lui. Allez, va bouffer ses tibias. Et on va soigner les gens un petit peu, parce que bon, c'est pas tout ça, mais ça fait mal, les flèches dans le cul. Donc... Oh, et on le finit. Plus de bouclier pour toi, mec. Un carreau d'arbalète. Oh là là, l'esquive, c'est beau, ça, Lone. Tu régales. Et non, le carreau d'arbalète. Mais pourquoi il attaque deux fois, là? Et le bim d'esquive, je suis désorienté. Et le chien va venir te bouffer. Oh là 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 là. Il te bouffe. Il te bouffe les tibias, et attention. Oh, l'achèvement. Ah, en plus, on critique, et ça fait plaisir. Et on fouille les dépouilles. Alors... Des blasons, de la citrine, des bustes et de l'or, ça régale. Plein de choses. Et donc là, on a un petit coffre. Est-ce qu'on utilise la clé? Allez. Oh là là, ça ouvre un compartiment secret avec plein d'or et de nourriture. Et ça, c'est beau. Tiens, toi, tu vas manger deux trucs de bouffe. Et toi, tu ne vas rien manger. Parce que voilà. Et donc on fait un petit retour en arrière, on traverse le couloir, tout va bien. Mais arrête d'être stressé, Lone, tout va bien, il y a plein de lumière, t'inquiète pas. Hop. Alors ici, dans le couloir, on a une petite merveille à trouver et un petit combat. Tout va bien, le combat il est tranquille, il est peinard. Deux petits squelettes qui se baladent, qui sont perdus, qui sont surpris de nous voir. Ils étaient en train de faire des cochonneries ensemble. C'est dégoûtant. Et tout de suite, oh, le chien va le bouffer. Ensuite, oh, bah, une avancée, un ouvre-veine. Est-ce que ça fait mode dégâts moins 15%?
Bah écoute, c'est une des plus fortes attaques, écoute. Oh là là. Cette taillade. Défoncer ta colonne vertébrale. Et on va soigner un petit peu. Donc 17, 21, 20, 23. Hop, on va te soigner toi. Voilà, 4 PV, PV max, tout va bien. Et ensuite, lui qui vient et qui les accuse. Ah, bouffe ton code du commerce. Et ça, c'était beau comme combat. Un combat, les gens, ils n'ont rien pu faire. C'est ainsi. C'est triste. Il ne se passe rien. Je propose qu'on fasse 1, 2, 3. Et qu'on revienne. Et qu'on fasse un camp ici. Hop. C'est parti. Ouh. Une maison close. Cri-cri, va te soulager. Confessionnal abandonné. Le héros obtient l'absolution. Oh là là, kleptomanie supprimée. Oh, c'est beau. Oh là là, j'aime bien quand la chance. Mais quand il y a trop de chance comme ça, c'est plus la merde. Hein, c'est... Tu sens... Ah, tu sens qu'il y a des gens qui vont tomber dessus sur la gueule. Non. Ah non, mais m'éclabousse-toi avec ton vieux vin. Le mec, il me jette du pétrole à la gueule. Donc, bon, c'est pas grave. Qui peut saigner? Toi, tu peux saigner, non? Tiens, je vais ouvrir tes veines. Oh, le critique à 13! Oh, le critique à 13! Oh là 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 là! Mais il a pas vu le combat, lui! Il a rien vu du tout! La grâce divine. La grâce divine sur toi! Ah, les 3 PV, ça va. C'est honnête. Incantation stressante. Non! Tu vois des hommes! Des hommes qui frottent leur pénis sur toi! Et non, attends. Harcèlement canin. Saignement, tout le monde résiste sauf lui au saignement. Mais c'est pas grave. On va le faire saigner au moins, c'est déjà ça. Un dégât par tour, ça lui fait. Ça fera... Oh là là, le critique à 13. Ouah ouah ouah, cri cri, il faut avancer. Oh là là. Gobelet tentant. Oh là là, mais je m'en prends plein la gueule quand même pour ce. Pour ce petit round de combat. Répulsion horrible. Ah, vas-y, dégage. Recule, recule. Ah, mais non, mais fallait pas résister. C'est pas grave, on va ouvrir tes veines toi aussi. Voilà. Alors comment tu le vis? 3 dégâts par tour. Et il aura... Ok, bah c'est bien, 3 dégâts par 3, ça fait 9 dégâts en tout. Il est obligé de mourir. Donc qu'est-ce que c'est ça? Marquer la cible. Tiens, on va marquer lui. Ah, lui, tu le vois lui, il faut le bouffer. Ensuite, on va faire le jugement. Oh, le critique! Oh Dieu, qu'il a touché du doigt et ça la soigne avec 6 points de vie. Et c'est l'apothéose. Et du coup, Cricri qui avance en première ligne bientôt. Ça va être bien ça. Le jugement dernier. Le jugement sur toi. Ah non, il esquive. Mais Dieu, que fais-tu? Avancer de dueliste. Oh, ben. C'est pas grave, il a pas de veine, mais c'est pas grave, ça compte quand même, hein. Au prochain tour, il est obligé de mourir, lui. Incantation stressante. Vois Dieu qui te viole. Ah non, c'est dégueulasse, monsieur. Arrêtez, c'est pas gentil. Hein. Donc, hop, le petit 1-1 qui fait plaisir. Le résiste au saignement, à la taillade dans le dos. Mais ce n'est pas grave, car Cricri est là et nettoie tout. Ah, de son procès verbal. Et tout va bien. Oh là là, ce combat qui... On a pris un peu cher, hein, quand même, faut l'avouer. On va replacer lui en troisième position. Et attention, nous avons un petit sarcophage décoré entrouvert. On va l'ouvrir. Ah non, il contemple la mort. Malédiction, tu es thanatophobe. Ah, moins plus 20% de stress, 6 PV à moins de 50%. C'est pas grave. C'est pas le cas. Tout va bien. On claque des torches, on a que ça à foutre. Et tout va bien, on continue un petit peu. Mais non, mais arrête de stresser, l'autre, tout va bien. La caisse est vide, c'est mieux qu'un piège. C'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Oh là 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 là. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un aliéné. Oh là là là. Attends, attention. Répulsion horrible, ne recule pas. Bon, d'accord, recule. C'est pas grave. Ouh, ils ont des tétons vachement saillants. Ah, il t'insulte. Il a traité ta maman. Jugement, illumination, grâce divine. Mais la grâce divine? Tiens! Petite tape dans le dos, ça va mieux, Lone. Tout va bien. Alors attention, parce que le harcèlement canin, il va faire du dégât, parce que tout le monde va être sous saignement, et ça, c'est beau. Ça, c'est plutôt pratique. Sacrifice aux dieux anciens. Oh, l'esquive, cri cri qui part, qui esquive. Rotation droite. Attention. Ah, deuxième esquive, rotation gauche. Oh là là, mais cette esquive qui a valu la peine. C'est tellement beau. Et un petit tir. Toi qui es au fond.
entre tes... C'est une femme ou pas? Parce qu'on ne sait pas s'il y a une poitrine ou pas. Mais c'est pas grave parce que on les frappe dans la... Oh mais non! Mais Cricri, si tu fais des petites roulades sur le côté mais que tu tapes pas, où va-t-on? C'est pas grave, le chien va sauver la mise sur toi! Ah, bouffe-lui des testicules! Mais il se prend la tête quand même, je crois que c'est pas... Oh là là, le critique! Il fallait pas faire cette roulade, tu t'avais pris en pleine poire! Oula, ça saigne, ça a des malus, tout ça! Jugement dernier! Et là, c'est la fin du monde! Ouh là, il y a plein de stress, dis donc, c'est pas bien ça. Oh là là, le 1 PV, le saignement qui est toujours actif. Oh, le critique, mais ils sont tarés, dis donc, ceux-là. La fin n'est pas proche. Vous n'allez pas mourir. Tu as esquivé son bâton, c'est bien. Toi, meurs. C'est bon ça. Toi, meurs. Oh non, mais il fallait mourir. Ah. Et le critique, il a récupéré plein de points de vie. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Lequel? Lui. Oh là là, l'épée qui lui a décapité. C'est beau qu'il a décapité. Et là, on est heureux. Et attention. Toi. Fais-toi manger. En plus, ah, mais c'est des gants à la Freddy. Les griffes de la nuit, dis donc. C'est pas très gentil, hein. C'est un petit peu plein de tétanos, j'ai l'impression. Et on va soigner un petit peu. 8-21. Toi. Soigne. C'est bon? Oh là là, voilà, le saignement qui l'achève. Et toi? Toi qui finis. Attention, l'avancée de l'aune. Ah là là. La gorge en a pris plein. Riposte. Qu'est-ce que c'est riposte? Mais attends, j'ai pas vu. Fouille les dépôts, il fait apparaître plein de choses. C'est bon ça? Et toi? Ouais, mets un petit pansement, ouais, sur ta petite coupure. Parce que... Ouh, toi aussi, mets un petit pansement. Hop, voilà. Il nous reste donc deux salles. Est-ce qu'on va tenir? Est-ce que l'équipe va tenir? Il ne se passe rien ici. Et là, au fond du couloir, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien. Pièce secrète. Oh, une pièce secrète juste ici. Ça fait plaisir. Moi, je dis... Oula, qu'est-ce qui se passe? Mais non, mais Lone, arrête de voler les choses. C'est pas gentil, hein. Et en plus la caisse était vide, t'as tout cassé. C'est vraiment... Oh, on a faim. Eh bien on mange. Petit sandwich au jambon. C'est plutôt cosy. Et ensuite on va revenir. Hop. Oh, mais dis donc, il y a un combat qui... Il y a des gens, ils se sont dit, bah tiens, on a vu des gens passer, on va les suivre. Et du coup vous faites chier. Voilà. Bon, ils ne sont pas sujets au saignement. Mais on peut soigner du stress. Qui on veut. Et donc on va soigner Mireille du stress. Ah bon, ça soigne plein de gens, excellent. Donc on va faire quoi? On va tirer au pistolet sur lui là. Le 5 PV, bon c'est honnête, écoute. Attention le carreau d'arbalète, l'autre. Ah non, sous le bras, les selles. Ah. Coup nocturne. Oh là là, le petit tonfa de policier. Un petit soignement, voilà. Un petit soin. Hop, le petit pansement sur les fesses qui va bien, le petit bisou dans le cou. Et attention, la frappe. Oh, oh là 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 là, tu as tellement tranché les côtes, la colonne vertébrale, tout ce que tu veux. Et ça, c'était beau, ça c'était une belle action, moi j'ai aimé. Et on te soigne un petit peu, hein. Prends des pansements, prends du doliprane, ça ira mieux. On va soigner le stress un peu, c'est important le stress. Voilà. Prends donc du stress. Non, mais j'ai dit sur elle. Ah, mais attends, ça soigne tout le monde? Juste. Non, je sais pas, écoute. Du coup, toi, que vas-tu faire? Tire au pistolet. Boah. 6 PV, il lui reste 4 PV. Carreau d'arbalète, non. Ah, il a protégé son chien, et ça c'est beau. Et ça c'est beau. Cet homme est quand même beau. Oh là là, 8 PV, pile ce qu'il faut. Le cri qui fait des virevoltes avec son épée. Et ça... On aime bien, il a bien été entraîné. On va tenter de soigner un peu. Allez, vas-y, soigne le stress. Oh là là, un full soin. Et ça, c'est beau. Je dis beaucoup que c'est beau, hein. Ce jeu est beau. Et ça, c'est pas beau, par contre. Hein. Là, on n'aime pas. Combien il lui reste de PV? 2 PV. Ah, vise le bras. Ça y est. Bon. Je dis beaucoup trop de fois que les choses sont belles.
Il a 2 PV. Lone, il faut résister. Tu ne dois pas mourir. Fais-le pour ton père. Donc, on continue toujours à travers les couloirs serpentants des ruines. Et tout va bien. Tout va bien. Lone est bientôt mort, mais tout va bien. Et donc là, on a vu, il se passe des choses. On a... Oh, on a quoi? On a un trésor. On va utiliser la pelle. L'objet n'a aucun effet. On va l'ouvrir à main nue. Quelqu'un a abandonné un sacré butin. C'est de la merde. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Car on est fatigué, on va faire un petit dodo. Un petit dodo. Hop. Voilà. Et les avantages du camp. La phase de repas, la phase de capacité. Vous allez vite comprendre, donc, pour ceux qui ne connaissent pas, la phase de capacité. Et donc, on va manger un petit peu, hein, ça fait plaisir. Hop, 10% de santé en plus. Et il faut te soigner, hein, monsieur. Un compagnon, soin 15%. Il faudrait que tu soignes, Michel. Enfin, Lone. Prier, sanctuaire. Ça réduit le stress. Déjà, on va te soigner, toi. Hop. Ça, c'est bon. Réduit le stress de 15. Tous les compagnons réduit le stress de 15. Discours de Zélote. Ça, c'est bien, ça. On réduit le stress. Notre mission est sacrée et juste. La lumière l'emportera. Ça, c'est pas mal, ça. Humour noir. Seulement soir, réduit le stress de 25%. Tous les compagnons... 75% de réduire le stress de 20. On peut tenter. Ah, l'humour noir. Vous connaissez, c'est un français, un arabe et un italien et... Ah, vous voyez, ça vous avez fait rire. Combien d'aventuriers faut-il pour mourir dans une fosse? C'est pas rassurant, mec. Et donc, il nous reste un temps de répit. On se repose, on va prier pour ne pas se faire agresser par des petits charpardeurs. Dans la nuit, il n'y a rien pour le moment. Nous n'avons plus de bois. Cet édifice de pierre, en pierre est bien plus vieux que le manoir plus haut. Pour quel sombre destin ces couloirs ont-ils été placés? Mais sincèrement, je pense que les couloirs ont été placés pour qu'on puisse se déplacer dans la maison. Je suis pas sûr. Ouh, c'est tout joli ça. Toi, Mireille, vois. Et déplacé dans ce décor de corruption. Fais voir. Lumière pâle et apaisante, belle nuit. Oh, le bonus. Moins 15% de stress et plus 20% de dégâts. Oh, plus 20% de dégâts, c'est cool ça. Petit dégât qui va faire plaisir à ce combat. Non, c'est la fin du monde. Ça c'est quoi, hein? Ça c'est le nombre de rounds. Répulsion horrible. Ne recule pas, Kukri, résiste. Ah non, au troisième rang. Mais que fais-tu? Il ne faut pas. Tiens sur tes appuis. Et toi, on te bouffe. On te bouffe les bras. On te bouffe les prends, on en a rien à foutre. Un petit ouvre-veine, là. J'ouvre tes veines. Voilà, ça c'est fait, ça c'est beau. Un petit jugement. Ouh non, on va soigner quand même, parce que c'est un petit peu dangereux. 5 PV, le petit doigt dans les fesses, qui va bien, quand même. Et Kriki, il faut le ravancer en première ligne. Qu'il aille faire le carnage de sa clé mort en acier. Sacrifice aux deux anciens. Je sais pas quel dieu tu pries, toi, mais t'es moche. Accusation, c'est ta faute. C'est ta faute si je suis enfermé ici. Et plein de malus, plein de choses. Je suis pas d'accord. Toi, on va te tirer dessus, comme ça, là. Voilà, dans le ventre. Mais est-ce que tu as une résistance aux dégâts? J'ai pas l'impression. Mais tu m'agresses avec ton bâton, j'aime pas trop, hein. On va les bouffer. Oh, le critique est à 2 pour lui. Un saignement pour tout le monde. C'est la fête. C'est la fête du slip. Qu'est-ce qu'on fait? On attaque. Dieu! Ah, mais non, mais fallait pas attaquer. Il fallait soigner. C'était ça, en fait. Mais on n'a pas vu. On n'a pas vu. Et du coup, Lone qui se fait un peu trancher dans tous les sens. Plein de cicatrices. Sacrifice aux dieux anciens. Allez, esquive. Cri-cri! Non, ils vont mourir de toute façon. 3, et lui il en reste. Mais non, mais je fais de la merde! Oh là là, mais c'est pas grave, c'est beau quand même. Le code pénal à payer. C'est.
ils étaient pas légaux, ils n'étaient pas dans la légalité. Et on, il est chiant lui à faire du stress. Bientôt elle va être en dépression. C'est pas gentil. Toi on va t'ouvrir les veines un peu. J'en ai marre. Comme ça au prochain tour tu meurs. Et toi c'est pareil, hein. Il faudrait penser à mourir. T'es un petit peu sur le chemin. Ça prend de la place quand même. Non, attraction. Oh oui, attire-moi dans ses bras. Oui. Je ne peux pas tenir ma position. Mais quand même, elle est forte. Elle a réussi à attirer un chien et un mec. Quand même, elle a une certaine classe. Et on te soigne un peu. Toi, 4 PV, c'est à l'air honnête. Et normalement, tout le monde meurt. Voilà. Le saignement qui finit de les consumer. Et on peut pas siffler. Bon, bah tiens. Toi, meurs. Ah, un petit round de soins gratuit. Hop, les 5 PV, ça fait plaisir. Et voilà. Comme ça, on est Oh, un manteau soyeux plus 8 en esquive. Moins 33 points de soins reçus. C'est dommage. C'est dommage qu'il ait des petits malus comme ça. On pourrait peut-être le donner à quelqu'un qui n'est pas du tout fort en vitesse. C'est en vitesse, c'est ça, ou en esquive? Plus 8 en esquive. Non, bah écoute, c'est... Non, écoute, on est très bien avec cette petite équipe. L'aune qui saigne et qui pisse le sang un peu partout, c'est un peu dégueulasse. Désolé, on n'a pas de pansement. Tu dois continuer à saigner, s'il te plaît. S'il te plaît, mais n'en fous pas partout, c'est pas très gentil. Ah non, en plus il se prend le piège. Oh, mais t'as le cul bordé, pas bordé de nouilles quand même. Hein. C'est pas cool, tu récupères une torche neuve. Oh, la torche neuve. Allumons tout ça. Bon, tu m'as l'air en forme, l'aune. Tu m'as totalement en forme avec tes 2 PV et demi. Je pense qu'on va aller loin avec toi. Ah, plein de squelettes. Pas besoin de saigner. Tout va bien. On va tirer au pistolet. 5 PV. Et par contre, comment vas-tu faire avec 3 PV? Un assaut canin. Hurler au loup. On va hurler au loup. On va hurler au loup pour déstresser un peu les gens. Oh là là, mais s'il y a juste Mireille qui en profite. Non! Ah, l'agonie! L'aune! L'aune, tu agonises! Ah, le carreau d'arbalète était dans ta gorge! Non! Il agonise encore! Oh là là, mais que va-t-on faire? Ce n'est pas grave, on va commencer! Cri-cri! Virevolte! Oh là là! Oui, tu as fait un peu bobo, il a un petit pansement sur la tête. Oh là là, mais il agonise, mais il s'acharne sur lui! Soigne cet homme mourant! 3 PV, ça c'est bien. Là, on est heureux. Entaille sépulcrale. Ouh, Cricri résiste au saignement. Je crois que les entailles sépulcrales font le café en faisant un petit peu de saignement. On va faire un petit assaut canin. Il lui reste combien? 1 PV. Un assaut canin qui... Mais évidemment, le mec à qui il reste 1 PV, eh bien, non. Hein, on peut pas le tuer. Oh, le chien, mais tu fais pas ton boulot, le chien. Hein. Le carreau d'arbalète dans le fond. Ça tape Mireille dans le fond. Attention. On te soigne. Tu ne meurs pas aujourd'hui, Lone. Ce n'est pas maintenant que tu tombes. Bon, on va arrêter de déconner. On va tirer un peu dans le tas. Voilà, un petit 5 PV qui fait plaisir dans le fond. Et une accusation zélée. Comme ça en élimine un, ça fait un dégât. Oh, le crit. Oh là là, mais Christa. Cri-cri. Cri-cri, mais qu'est-ce que tu fais? Cri-cri. Il faut pas leur jeter le code pénal à la gueule. Ça fait mal, quand même. Ça fait vachement mal. Oh, on va réduire le stress. Hein. Ils sont stressés, les petits. Voilà, fais-leur un petit câlin, fais-leur des petits coups de langue sur le menton. Ils aiment bien ça. Oh, le coup de baïonnette. Oh là là, le coup de baïonnette, 2 PV. Mais tu vois, ce n'est pas aujourd'hui que tu meurs. Et ça, c'est beau. Moi, je trouve ça assez beau. Et toi, hop, on taille un petit peu les vêtements. Hop, on taille le costard, c'est beau. On va te soigner, toi. Car ce n'est pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Il faut dire cela à la mort. C'est Cyrio Forel qui nous l'a dit. Et le 10 PV, oh là là, mais ça fait le café, hein. Cri-cri fait le café. Ah, et esquive, non, c'est la fin, excusez-moi monsieur, mais je pense que vous pouvez rentrer chez vous. On va vous tirer dessus, voilà. Merci pour cette animation, messieurs. Et la quête est terminée, mais... Je me dis, autant la quête est terminée. Bon, ok, en fait, il reste combien de salles? Il reste 3 salles. Oh, mais c'était une bonne aventure, hein. Regardez, on est heureux. Les couloirs tordus, les salles affaissées de nos ancêtres commencent à devenir familières. Et ça,
On est heureux. Donc, plein de legs. Plein de legs. Tout va bien. Plein de fric. Hop. Ouh là 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 là. Attention. Il y a des traits qui ont été gagnés. Cri-cri, tu es devenu nerveux. Ah là là. Tu es devenu nerveux. À force d'esquiver les attaques, hein, tu es devenu un peu Parkinson. Tu deviens nerveux dans tout ce que tu fais. C'est dommage. Hein. On va te soigner. T'inquiète pas. Billy. Tu es devenu un pic-assiette des tanières. Tu repères plus dans la tanière. D'accord. Ça, c'est bien. Et Mireille. Mireille, oh, tu es tourmenté. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tu as été manipulé par cet homme, cet aliéné. Je vois encore leur visage colérique alors qu'ils se ruaient dans les manoirs. Mais j'étais mort avant qu'ils ne me trouvent et la lettre était déjà partie. Mais il faut pas stresser comme ça, messieurs. Et là, on débloque deux nouveaux bâtiments, la guilde. Hop. La guilde. À quoi ça sert la guilde? Eh bien, regarde, imagine Cri-Cri, il va à la guilde, et bah Cri-Cri, il peut, en fait, améliorer ses compétences et en acheter d'autres en fonction de son niveau. Donc, là, il est niveau 1, du coup, il ne peut pas en améliorer, mais il peut en acheter d'autres. Ça, c'est bien. Hop, et on a aussi le forgeron, parce que si Cri-Cri, son épée, il la trouve un peu pourrie, et bien là, c'est pareil, en fonction de son niveau, eh bien, il peut améliorer son épée et son armure. Et comme ça, on a un petit système de leveling tout gentil, tout sympa, tout mignon. Ça fait combien de temps qu'il dure l'épisode? Une demi-heure hein, quand même, c'est long. C'est long, c'est long. On va faire nos petites affaires hein, quand même en ville. Mireille, tu vas aller boire. Hein. Deviens alcoolique s'il te plaît. Lone, on va faire pour le moins cher. Lone, tu... Non mais quel fumier. Bon bah Lone, tu vas aller, tu vas prier Cthulhu, parce que c'est un bon gars Cthulhu. Exodus qui est là, qui... mais qu'est-ce qui se passe Patato? Mais que fais-tu? C'était où pour voir les infos? C'est ici. Ah mais Patato est parti dans une quête de vision personnelle pour atteindre l'illumination. Il a récupéré 45 de stress, mais il s'est barré à la Fnac du coin. Il reviendra, on ne sait pas quand. Mais on a pas mal de gens, c'est toujours sympa. Voyons voir la diligence. Qu'est-ce qui arrive aujourd'hui? Eh bien, une arbalétrière. Ça, c'est pas mal, ça. Une arbalétrière. Hop, et une postulante pillarde. Hop, et ça, on va voir ce qu'on en fait. Je ne sais pas quel nom je vais leur donner encore. On va voir. Mais en attendant, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ah si, on pourrait vendre tout ce merdier là. Plus 20 résistance au malus. Les malus. Plus 10 armements au piège. Ça, on pourrait le donner à qui? Les gens qui défont les pièges, ça va être la pillarde. Tiens, on va faire une prochaine mission avec la pillarde. Mais c'est au bandit uniquement ça. Patato, même si... Non, s'il part, on va perdre le bignou. Du coup, on va le donner à Lone pour l'instant. S'il se barre vraiment, ouais, on sait pas. Hein. Je pense pas qu'il va se barrer vraiment, mais bon. Au cas où. Ensuite, on a quoi? On a pierre de protection, plus 5% de protection, mais moins 1 de vitesse. Vitesse 1, de toute façon, il attaque en dernier. Donc, c'est pas très, très, très grave si... on peut faire le livre de constitution. Comme ça... Ça fait quoi? La vitesse est en négatif, je ne sais pas. Je pense pas que ça altère quelque chose. De toute façon, il attaquera en dernier. Il avait une vitesse de 1. Vitesse de moins 2, écoute. Il aura plus de protection, plus de résistance aux infections et plus de résistance aux maladies. Ça peut être cool. J'espère que... Mais il attaque quand même, hein, et pas tous les deux tours. Mais bon, je pense qu'on verra ça. Ensuite, on a plus 8 esquives. Et plus 8 en esquive. Ce serait bien que la fille qui nous soigne... On s'en fout que... En général, si elle esquive beaucoup, eh ben, en fait, elle se soigne pas souvent elle-même. Du coup, c'est pas grave. Mais, elle esquive beaucoup. Et comme ça, on la touche pas. Et elle soigne les autres. Et ça, on aime bien. Ensuite, on a plus 20 résistance au malus. Et moins 2 en esquive. Je vais le vendre à la petite roumaine qui est ici.
Non, je peux pas. Je peux pas la vendre. Maintien mage pour vendre les breloques. Hop, on va vendre. Pour 750, oui, on vend. Du coup, on a envoyé les gens un petit peu partout en ville. Ça, c'est bon, on a l'abbaye. On a plein de choses, là. On pourrait commencer à améliorer, je sais pas, la diligence. Tiens, on pourrait l'améliorer. Réseau de diligence. Augmente le nombre de recrues disponibles. Le changement prendra effet après son tour et la prochaine quête. Très bien. Recrues expérimentées. Blablabla. Bla. Bah oui, on pourrait faire deux. Genre, caserne de héros, on passe à 12 la taille, du coup c'est bien. Moi j'aime bien. Comme ça. Il en arrive de plus en plus, recherchant follement fortune et gloire dans ce domaine des damnés. Et ça, c'est le rêve. Et on va faire 3 héros à chaque voyage. Parce qu'on aime bien. On aime bien, même si ça reste une vigilance un peu pourrie. Hein. C'est un bon transport de la poste. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire? Il nous reste un petit peu de merdier. Hein. On pourrait voir ce qu'on pourrait améliorer. Le bar augmente la réduction du stress. Ah bah, c'est bien parce que Mireille, elle est stressée quand même. Mireille, hop. Avec assez de bière, il pourrait peut-être être immunisé contre les horreurs du dessous. Ah bah, c'est sûr, si t'y vas bourré, je sais pas. Peut-être que tu reviens pas quand même. Augmente la réduction du stress. Bon, on va faire un petit transept. On va aller améliorer, on va mettre des petites bougies. Voilà, donc Cthulhu va venir te caresser de ses jolis tentacules. Et j'espère que ça va te plaire. Au sanatorium, on débloque après. Et il nous reste quand même des choses à... On peut améliorer un petit peu encore. On peut améliorer, mais on peut garder aussi. Hein. C'est possible. Maître instructeur. Attendez que je regarde un petit peu. Si chrétien, t'as une capacité dont je me sers absolument pas, c'est rempart de foi. Du coup, ça, je ne sais pas. La lance sainte, soit plus qu'un dégât contre les impies, ça peut être sympa ça, parce que s'il se fait ramener en arrière par des pouvoirs un peu impies, ça peut être vachement cool. Un heal, on n'en a pas un heal, on a que Mireille qui heal. Hein. C'est... Parce que la prochaine run, elle va être un petit peu compliquée. Moi, je vote pour la lance sainte, comme ça. Hop, comme ça, on n'oublie pas. On l'active, la lance sainte. Parce que quand on n'avait que ça, ouais, c'était full les deux places. Mais avec ça, on est sûr que... En plus, il avance de 1. Donc, qu'il soit ici ou ici, il va revenir dans son champ d'action. Et donc, ça va être plutôt sympa. Ça prendre en compte, quand même. Voilà, c'est la petite phase. On améliore les gens, on voit un peu leur potentiel. Qu'est-ce qu'il y a? Si, Bellecôte. Tiens, on trouvera un vrai nom après. Toi, tu as quoi comme belle capacité, dis donc? Tu as donc un tir de sniper, donc ça c'est derrière, un feu létal c'est derrière, marque de sniper, pression de base, mode diffusion de dégâts, ça fait moins 100% de dégâts, oui donc ça fait pas de dégâts, marque la cible et ça fait moins 20 d'esquive pour elle, c'est ça? Ou pour la... Non, ça, pour la cible je pense. Mais je pense qu'elle peut faire d'autres choses plus cool, beaucoup plus cool. Tir à l'aveugle, ça, elle peut healer un petit peu quand même. Fusée d'aliment, retirer étourdissement, retirer marquage. Ça buff. Ça soigne un petit peu. Mais le marquage du sniper, pas fan quand même. Hein. L'Ebola, je sais pas. L'Ebola, on en a vu beaucoup en Afrique, du coup, je sais pas. Non, bon, cette blague vaseuse est annulée. Mais on pourrait prendre le tir à l'aveugle quand même. Je pense que ça pourrait être un petit peu mieux. Je suis pas du tout dans tiens, on va faire un tour pour marquer quelqu'un. Je pense prendre le tir de sniper. On va se débrouiller avec ça. Et elle. Non. On va retourner à la guilde. Voilà, Tulle. Tulle, donc tu as une pioche dans la tête. Ça, c'est sympa, la pioche. Plongée, avance de 2.
Ouais. Mode dégâts. Ouh, ça fait beaucoup de critiques ça. Pression de base 95 et à l'avance de 2 modes. Modification de dégâts. Ça fait 40% des dégâts. Donc pas tant que ça, mais ça fait plus 10% de critique. Hein. Elle a 10% de chance de faire du critique. Les dagues de jet. Ça c'est pas fou. Hein. Modification de dégâts. Moins 33% de dégâts. Estompage. Corps à corps, recul de 1. Modification de dagues, étourdissement. Dague de lancer. Si elle est marquée, ça fait plus de cibles. Mais écoutez, je vais vous épargner un petit peu l'organisation de tout ce merdier. Je vais vous faire des gros bisous quand même, parce qu'il le faut. Hein. On vit des petites aventures avec. On a vécu des petites aventures avec Cricri, Mireille, Lone et Billy. Et la prochaine fois, attention, ce sera une autre équipe différente. Mais sur ce, je vais vous faire des bisous parce que la nuit tombe, hein, vous voyez, et qu'il faut quand même uploader la vidéo, ça prend du temps. Et sur ce, je vais vous faire des petits bisous, hein. Des petits bisous dans le cou, et on vous dit à très bientôt. Allez.